Le talent suivant donnera-t-il la possibilité aux autres coachs de prendre leur revanche ? Je m'appelle Nounou Rezende, j'ai 39 ans, j'habite entre la Belgique et la France et je suis artiste, chanteur, comédien. Ça fait plus de 20 ans que j'ai commencé à chanter dans des groupes et puis plus sérieusement dans des comédies musicales. Dernièrement, j'étais sur Adam et Ève, la comédie musicale de Pascal Obispo. Je sais que Florent était venu nous voir sur Adam et Ève, il avait beaucoup aimé mon personnage et il m'avait fait part de son enthousiasme à la fin du spectacle. Je ne sais pas si Florent pourra me reconnaître, mais il devra se retourner si ma voix lui plaît. The Voice, c'est une expérience nouvelle pour moi, parce que j'ai toujours fait des comédies musicales, et c'est quand même un univers cloisonné, on va dire. On a beau avoir 20 ans d'expérience, toutes ces années de travail réduites à juste à 2 minutes, c'est une remise en question, mais pourquoi pas moi. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous ? Bien, je m'appelle Nounou Rezende. J'ai l'impression que je t'ai déjà vu, mais je ne sais plus où. C'est possible. Ouais. Sais que nous on s'est déjà vu, mais... Ah oui. Ouais, moi aussi, il me semble que je t'ai déjà vu aussi, mais tu chantes avec nous souvent, non ? Sur les plateaux, tu fais ça pas... Arrive, ouais. Ouais, Adam et Ève, ouais. J'étais sur Adam et Ève, là. Ah, d'accord. Ah, c'était soit toi le serpent. Right, the snake. Yes ! Je suis tout seul à avoir appuyé. Mais t'as envoyé une note là-haut d'une manière où tu fais « Oh, c'est trop bien, je vais pas le laisser partir comme ça, celui-là. » Merci beaucoup. Ouais, grande maîtrise. Vraiment très très belle voix, très belle technique. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci au public aussi, ton gars, hein. Vraiment. Franchement, Florent, tu parles des notes en haut, mais... Mais en bas aussi, ah, non, la mais tout. Richesse en bas, t'as vraiment des belles graves. Non, mais là, c'est juste un talent de folie. C'est juste ouais. Une. Là, je te dis, j'étais vraiment. Je me disais, bon, allez, j'appuie pas. Puis à un moment, tu fais, oh, mais putain, mais c'est pas possible, on va pas le laisser c'est partir. Clair, c'est clair. Et c'est vrai que dans cette comédie musicale, c'était vraiment le meilleur. Ah, on était ensemble, bien sûr, ouais, ouais. Il sortait du lot, c'est un putain de technicien. Le mec maîtrisait. Donc voilà. Si on peut aller visiter d'autres univers, d'autres genres. Avec cette même maîtrise, on peut vraiment avoir un talent et une voix franchement hors du commun. Grâce à Florent Pagny, Nounou va donc pouvoir renouer avec la scène, au moins lors des prochaines batailles. En plus d'avoir une bonne voix, il dégage. Hey, remarque. Hey. J'aurais dû rappeler que c'est normal le snake. Les serpents vont être avec les serpents. Quand les fauteuils se retournent, on pense à quoi ? J'ai juste fait merci dans ma tête. Et voilà, moi j'étais hyper content, hyper content. En plus, je voulais choisir Florent, donc c'était vraiment super. Moi j'étais ravi de l'accueil du public et puis j'étais ravi de leur réaction à tous, quoi. Même si tous n'ont pas buzzé. C'est vraiment très positif comme expérience.